Bonsoir à tous et merci d'être venus en nombre ici pour entendre cette première expérience pour nous, parce que c'est la première fois que nous faisons une rencontre autour d'un écrivain. Et c'est avec un immense plaisir que j'accueille Florence Richter, parce que, avouons les choses tout de suite, en fait, on se connaît déjà depuis 25 ans, quelque part par là, enfin... je crois que quand j'ai connu Florence, elle était encore aux études. Donc, elle faisait à l'époque à la fois la crimino et la littérature, je me souviens bien. La crimino et un peu de journalisme. Le journalisme littéraire, voilà. Ensemble, on allait très souvent à l'opéra. Vous allez voir, c'est une fanatique de Mozart absolument extraordinaire. Elle a d'ailleurs travaillé pendant un certain temps en zone de police, je me souviens bien. Et puis, elle a travaillé avec sa mère autour des Midi de la poésie, qu'elle a animé assez longuement. Et maintenant, elle travaille à la Communauté française, où elle est la rédactrice en chef de la revue Lecture, qui est une revue qui est destinée aux bibliothèques. D'ailleurs, vous pouvez aller chez nos voisins, elle s'y trouve. Elle chapeaute un peu le département bibliothèque de la Communauté française. Enfin, je ne dis pas de bêtises. Enfin, je te laisserai corriger. Les compétences sont partagées maintenant depuis un certain temps, donc c'est surtout la revue Lecture. Et alors, à côté, la personne qui va, notre Bernard Pivot local, voilà, François Host, qui vient de Bruxelles, puisqu'il est l'ancien vice-recteur des facultés, on appelle ça encore faculté maintenant, ou bien... Ça a changé maintenant, c'est Université Saint-Louis. Donc c'est Université Saint-Louis. Il était vice-recteur à l'époque et sa formation, c'est plutôt philosophie et droit. Voilà. Vous donnez cours de droit ou de... Prenez le micro, c'est plus utile pour le... De droit et de philosophie du droit, voilà. Voilà, d'accord. Droit et littérature, droit naturel, mais peut-être qu'on y viendra. Je suppose bien. Et donc, notre rencontre a lieu autour d'un livre, La Déesse et le Pingouin. Et là, je vous signale, si après la séance, vous voulez acheter le livre et vous faire dédicacer, nous avons quelques exemplaires à votre disposition. Voilà, je laisse maintenant... François Host, introduire le débat, et vous aurez une partie aussi, donc on devra avoir une discussion pendant une heure dix, et puis après ça, il y aura un espace pour vous pour poser les questions. Bonne soirée. Merci à Benoît pour cet accueil, merci au Point Culture de Louvain-la-Neuve pour cette première expérience de dialogue autour d'un livre. Alors, ma première question est déjà déflorée puisque Florence a été présentée très bien et Benoît a pu mettre en lumière ton parcours qui, parti de la criminologie, aboutit à la littérature. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. La publication du premier livre, donc « Ces fabuleux voyous, crimes et procès de Villon, Sade, Verlaine, Genet ». Qui reliait. Effectivement, donc ton premier livre s'inscrivait plutôt dans tes perspectives, de tes soucis criminologiques, et il était intitulé Ces fabuleux voyous. Oui, tout à fait. Et donc, c'était déjà aussi quand même un lien entre littérature et criminologie. Et je terminais le livre avec une interrogation justement sur le thème du lien, sur lequel on va fort revenir. Un thème qui était important pour moi. On doit revenir à une nouvelle forme de lien dans tous les domaines, familiaux, institutionnels, et avec l'environnement, avec la nature. Je terminais par cette interrogation, et c'était bien sûr une histoire de crime pour tous ces auteurs. Et dans le livre suivant, La Déesse et le Pingouin, cette thématique du crime, cette fois-ci symbolique, réapparaîtra aussi. Je crois que pour la présentation, c'est tout ce que je peux ajouter. Oui. Voilà, donc on peut peut-être le montrer, la couverture du livre. On va commencer par l'extérieur, la couverture. On va remercier au passage les éditions Avant-Propos qui ont fait un très beau travail éditorial et avec une très belle couverture. Alors, la première chose qui intrigue, bien sûr, c'est le titre, la Déesse et le Pingouin. Alors, évidemment, la question est téléphonée, chère Madame Richter. Vous êtes plutôt déesse ou plutôt pingouin? Mais un peu des deux, professeur, un peu des deux. Je voudrais d'abord aussi dire moi-même un grand merci à la fois à Benoît Van Langenhove et à Sylvain Isaac de m'avoir accueilli ici.
un grand merci aussi à François Hoss, parce que c'est un privilège d'être interviewé par toi. Et merci aussi, bien sûr, à tout le travail éditorial des éditions Avant-Propos. Anne de Lannemeter, je ne sais pas si tu l'as dit, l'éditrice est là dans la salle, donc je suis très contente. Voilà, et donc, est-ce que je suis plus déesse ou plus pingouin? Mais aucun des deux, et tous les deux. La déesse et le pingouin, c'est un titre qui m'est venu un matin comme ça. Je cherchais, j'avais déjà la déesse. Je savais que je voulais quelque chose qui avait à voir avec la nature ou l'animal. Et tout d'un coup, je me suis dit, la déesse et le pingouin. Alors pourquoi? Parce que selon moi, les deux sont, c'est peut-être énorme de le dire, mais c'est comme ça que je l'ai senti et vécu, ce sont les deux symboles de deux grands défis pour l'humanité du futur. C'est-à-dire, d'une part, la déesse, c'est le symbole énorme, évidemment, de réintroduction du féminin. Je dis bien le féminin et pas la femme. On y reviendra parce qu'on a tous du féminin, du masculin en soi. Donc la réintroduction du féminin dans la société actuelle et du futur, ou d'une appréhension du monde plus féminine, je pourrais développer. Et bon, c'est un thème qui revient aussi chez certains auteurs, hein, je ne l'ai pas inventé, notamment vous connaissez certainement Frédéric Lenoir, le grand spécialiste de l'histoire des religions. Il en parle dans son livre Les métamorphoses de Dieu, qui est un très beau livre sur spiritualité du passé et d'aujourd'hui. Et l'autre thème, eh bien, c'est le pingouin qui symbolise un lien nouveau à trouver avec la nature. On est dans une société hyper consumériste, hyper productiviste, où la production explose et nous envahit, hyper matérialiste aussi. On est vraiment, on démolit la nature et l'environnement. Et donc il me fallait un symbole de nature. Et pourquoi j'ai choisi le pingouin? Eh bien parce que vous savez peut-être que dans le mouvement de décroissance économique, et il y en a un représentant ici, celui qui est un des coordinateurs du mouvement de décroissance en Belgique, le symbole c'est parfois la tortue, c'est rare, mais surtout l'escargot. C'est un symbole qui est très bien, c'est évidemment le symbole de la lenteur, mais il y a un autre symbole que je trouvais très adapté, c'était celui du pingouin, parce que si vous pensez aux prestations du pingouin et à son anatomie, c'est un animal qui est un symbole d'économie d'énergie. Je le détaille dans le livre, je ne vais peut-être pas le détailler ici, mais son plumage, sa résistance au froid, la manière dont il est incorporé, dont il vit ses communautés, c'est vraiment un symbole d'économie d'énergie. Voilà, ça c'est pour les... Par les temps qui courent, tu n'as pas été tenté par le panda? Ben écoute, François, mon prochain livre, ce sera Le Premier ministre et les deux pandas. C'est promis. C'est une idée. Mais pour voilà, mais économie d'énergie, non, ça n'allait pas pour le panda, ça n'allait pas. Voilà, alors, tant qu'à rester encore à l'extérieur du produit, l'emballage, tu peux peut-être dire un mot de l'illustration de la couverture. Ce n'était pas simple, je pense, de trouver une illustration qui fasse justice à la complexité, on peut dire parfois aussi l'énigme du livre, on va en parler longuement, le conte philosophique. Alors, quelle est l'illustration? Oui, donc, je remontre cette couverture. En fait, c'est un composé de deux choses et on l'a vraiment créé ensemble avec l'éditeur, avec la graphiste de l'éditeur et moi-même. Donc, à l'origine, c'est une tablette babylonienne qui n'est plus du tout colorée, qui est en argile, ça c'est l'image de fond, qui représente la déesse Inanna-Ishtar, qui est une déesse mésopotamienne ou babylonienne, et elle est fort entourée d'animaux, elle a aussi des symboles de royauté, des couronnes, des anneaux. Vous voyez que c'est très particulier parce qu'elle a aussi des ailes et des griffes de rapaces. Donc je pourrais y revenir à cette thématique, mais c'était pour montrer que j'allais chercher dans les mythes anciens et dans les représentations anciennes du féminin, on y reviendra, je remonte même au paléolithique, du féminin sacré, pour trouver des images de la spiritualité qui sont plus du tout celles que l'on connaît, celles des monothéismes, et même pas celles de l'Asie. Et alors l'idée, à l'origine, donc ça date du 2e millénaire avant Jésus-Christ, une tablette qui est à peu près grande comme ça, que j'ai vue moi à l'exposition sur le thème Babylone, au Louvre, mais en fait elle est au British Museum. Et à l'origine elle est colorée, et chacune de ces couleurs, rouge, doré, noir, représente une symbolique. Alors on a discuté avec l'éditeur, avec la graphiste, et l'idée c'était de lui redonner des couleurs, puisqu'elle a perdu ses couleurs, mais des couleurs modernes. Et on a pensé un petit peu aux couleurs à la Andy Warhol, et la graphiste a imaginé ça, moi j'adore, donc voilà.
Très bien. Alors, on peut passer au fond maintenant, et ce n'est pas pour rien que tu étais invité dans le cadre de, je ne sais pas si c'est le mois ou la décade de la culture hybride, oui. Parce que précisément, le genre du livre, c'est un genre hybride, on peut dire que c'est un conte philosophique. Donc un conte philosophique, c'est à la fois un essai, avec ce que ça implique de lecture, de réflexion, et bien sûr de la fiction, du drame, une histoire qui se lit comme un roman. Donc un conte philosophique, c'est un genre difficile. Mm-hmm. Les meilleurs s'y sont essayés, comme Swift, ou plus près de nous, Eric Emmanuel Schmitt, dans le passé, Voltaire. Bon, alors on va évidemment rendre justice à ces deux dimensions du livre tout en montrant qu'elles sont interreliées, qu'elles se correspondent, qu'elles se répondent. Mais je voudrais d'abord préciser que, parce qu'on va parler de beaucoup de choses, de beaucoup de thèmes, que tu as lu toutes ces choses, mais tu fais grâce au lecteur de l'appareil critique, comme on dit à l'université, c'est-à-dire les notes de bas de page. Et tu as eu la bonne idée, sur le site qui accompagne le livre, de renvoyer une bibliographie. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs centaines d'ouvrages. Alors, ça paraît un peu étrange, mais en fait, le livre, je porte en moi cette thématique depuis 10 ans. Alors, je n'ai pas écrit tous les jours, d'abord parce que je suis au ministère de la Culture en semaine en train de travailler. Donc, j'y travaillais le week-end ou pendant les congés, et j'y travaillais pas tout le temps. Il y a une année où je n'ai rien fait, et puis entre-temps, j'ai publié l'autre livre, c'est Fabuleux Voyous, qui est donc paru il y a 4 ans. Mais c'est une thématique qui m'obsède depuis longtemps, et là, on pourra revenir dessus aussi, peut-être un peu plus loin, je raconterai pourquoi. Donc cette thématique spiritualité et nature et féminin. Il m'apparaissait évident que je voulais raconter parce que c'est plus vivant, c'est l'aspect fiction, donc il y a une histoire avec deux personnages qui se rencontrent, qui sont d'une part en fait le personnage de Carl Gustav Jung, donc le grand psychanalyste que je considère, et je suis pas la seule, plus qu'un psychanalyste, comme un grand penseur du XXe siècle, qui s'est intéressé beaucoup... Attends, je t'interromps, oui. Parce que là, on va rentrer dans l'histoire le détail, elle-même. Oui. Je voulais simplement, avant de rentrer dans le détail, donc préciser, cette bibliographie, il y a plus de 600 titres. Oui, à peu près 600 À laquelle titres. On peut avoir accès... Sur le site. Sur le site. Oui, www. Et à l'appui de 5 thèmes. Tu peux peut-être les préciser, je ne les ai plus... Oui, donc ça, c'est pour l'aspect justement, alors plutôt essai. Donc l'adresse du site, c'est www.ladslepingouin.com. Et j'ai digéré tous ces livres qui ont été lus. C'est aussi des livres, parfois je ne les ai pas lus. Il y a des dictionnaires, des encyclopédies, par exemple sur le thème des symboles. Les 5 thèmes que je traverse... qui sont des 5 thèmes qui apparaissent les uns après les autres et qui font évoluer aussi l'histoire et les personnages, puisque le personnage féminin qui rencontre Carl, le personnage de Rose, s'incarne petit à petit au fur et à mesure que les thèmes sont abordés. Ce sont les mythes. Et je commence avec l'épopée de Gilgamesh, qui est une épopée très ancienne, qui date de la Mésopotamie, mais qui a nourri pas mal de choses dans les religions, les mythes, dans les siècles et les millénaires qui ont suivi. C'est les mythes. Deuxième thème, les religions. Surtout les religions anciennes de la préhistoire, donc très axées sur le féminin, et les monothéismes, bien sûr. Troisième thème, la science, avec trois accroches. La psychologie, puisque je le disais, Carl Gustav Jung, c'est le père de la psychologie des profondeurs. La physique quantique, vous verrez pourquoi, elle est abordée, mais de manière toujours poétique, parce que je ne suis pas une scientifique, je suis une littéraire. Et le thème aussi de l'éthologie, c'est-à-dire le comportement des animaux, ça c'est pour la science. Et le thème suivant, qui est en résonance plutôt avec religion et mythe, c'est l'alchimie. Jung considérait que l'alchimie, c'est l'ancêtre de la psychologie. Et le tout dernier thème, c'est le thème de l'économie et de la décroissance économique. Et en fait, j'ai un leitmotiv, je peux quand même le dire, parce que c'est important, qui revient à un fil rouge, qui est l'idée de la complexité. C'est-à-dire, c'est une formule qui revient tout le temps dans le livre, une chose et son contraire en même temps. Donc c'est l'image de la dualité. La dualité, c'est quelque chose qui est double en soi. C'est la coexistence de deux éléments dans un seul élément. C'est difficile de l'exprimer, mais j'ai essayé de l'exprimer de manière très clairement. Donc c'est une espèce de circulation à travers le savoir, les religions, les connaissances,
avec ce fil rouge, une chose et son contraire en même temps. Le monde est complexe, le monde n'est pas simple, il n'est pas univoque. Voilà, ça c'est pour l'aspect plutôt, je dirais, fiction, aspect essai. C'est bon que nos auditeurs aient d'emblée une panorama de, au fond, ce qu'on pourrait appeler ces lignes mélodiques qui se croisent et s'entrecroisent dans ton écriture. Mon Dieu, il y a Benoît qui arrive. Avec des verres d'eau, parce qu'il a vu qu'on était bavard et qu'on devrait se sustenter. Nous sommes rassurés. Merci. C'est très bien. L'eau, c'est un des symboles importants du féminin. Je vais tenir plus près le micro en plus. Alors, c'est un des volets du conte philosophique. Il ne faudrait pas que nos auditeurs aient l'impression que ton livre soit une série de considérations abstraites et théoriques. Il y a une histoire, une authentique histoire qui, on pourrait dire que c'est un roman d'initiation, qui fait se rencontrer deux personnages très curieux dont l'identité... ce que tu as directement dit Jung, mais on ne le sait pas d'emblée, on le devine progressivement. Donc d'un côté, une jeune femme, Rose, et de l'autre côté, un vieux savant, Karl. Alors, d'où vient Rose ? J'ai plutôt envie d'abord de parler de Karl. Ça ne m'étonne pas. Donc, Karl, le personnage de Carl Gustav Jung, s'est imposé à moi parce que ces thématiques, mythes, alchimie, m'ont beaucoup intéressé et donc je suis forcément à certains moments tombée sur lui. Vous savez que c'est un disciple au début de Freud, mais qui s'est détaché de lui pour diverses raisons, ça je ne vais pas les aborder. Et donc c'est le père de la psychologie des profondeurs. On reviendra aux deux grands concepts qu'il a mis en évidence, l'inconscient collectif et les archétypes. Et au moment où on entre dans l'histoire, on est en 1955. Alors c'est un Karl qui, au point de vue pensée, est réel, est tout à fait... fiable dans ce que je raconte, mais qui, au point de vue de son histoire, est imaginaire, parce qu'il meurt en 61, en 55, quelques mois après, sa femme va mourir, Emma. Donc c'est un Karl imaginaire. Vous verrez ce qui lui arrive. Il assiste à un meurtre, etc. Enfin, Rose lui en fait voir de toutes les couleurs. À l'époque, il a 80 ans, donc il y a des choses qui sont impossibles historiquement. Je le dis d'ailleurs à la fin du livre, c'est un récit imaginaire, donc ça c'est important. Mais je l'ai vraiment choisi parce que je voulais un savant qui discute avec un petit personnage féminin étrange, qui est le personnage de Rose. Donc Rose, au début, on ne sait pas très bien... Karl, on découvre assez rapidement que c'est lui au bout de quelques pages. Mais Rose, on ne sait pas très bien qui c'est. On ne sait pas très bien si elle a 10 000 ans ou si elle a 30 ans ou si elle a 20 ans. Elle est un peu à la fois... C'était rigolo parce que hier à la présentation à Point Culture Bruxelles, toi tu as dit elle est un peu pur esprit. J'ai dit mais non François, elle est complètement animale au début. Donc elle est duale dès le départ. On ne sait pas très bien si c'est un esprit ou un animal ou une femme. Au départ, elle est désincarnée, un peu pur esprit. Et en même temps, elle a des comportements animaux. Elle débarque un peu comme une illuminée en disant j'ai un message. Oui. Et ce qu'il y a de touchant et d'attachant, non pas de touchant, mais d'attachant dans la lecture, c'est que progressivement, cette jeune femme prend vie, s'incarne, et qu'à travers le dialogue de tous ces thèmes qu'on va aborder avec Karl, qui lui aussi doit se défossiliser, sortir de ses livres et de ses chères études, de sa tour d'ivoire, ensemble, ils performent en quelque sorte un savoir qui est beaucoup moins abstrait à ce moment-là. Oui. Et alors, il y a quand même tout un fil conducteur, un scénario. Il y a des scènes, il y a une construction d'un bâtiment ensemble, il y a un crime, il y a d'autres scènes, il y a un déplacement dans l'espace. Et il y a aussi, en alternance, des souvenirs de Rose, parce qu'elle s'incarne non seulement à partir de grâce à la discussion, à l'échange avec Karl, mais aussi parce qu'il y a des souvenirs qui lui viennent, parce qu'au début, elle n'a aucun souvenir. Et les souvenirs, c'est quand même ce qui constitue, il y a le corps de l'individu, mais les souvenirs, c'est quand même énormément ce qui constitue l'individu. Oui, c'est vrai, ça me vient à l'esprit. Les souvenirs sont très importants. Il y a aussi une anamnèse à l'échelle individuelle aussi à l'échelle collective. Puisqu'il y a toujours ce répondant. Elle reflète une vieille sagesse. Oui, c'est ça, elle dit « j'ai 10 000 ans ». Elle se présente comme plus ancienne que l'épopée de Gilgamesh, avec des racines... dans le néolithique. Des racines et des ailes, on pourrait dire. Voilà, alors... Je me demandais comment articuler notre discussion d'aujourd'hui, et pour rendre justice à ces différents thèmes. Et je me suis résolu à choisir un certain nombre d'aphorismes, donc des pensées
peu héraclitéennes qui émaillent ton texte, qui sont un peu énigmatiques, qui demandent à être expliquées et qui peut-être te permettront de rendre compte de ces différents axes. Alors, la première de ces pensées, ces aphorismes que j'ai rencontrés, c'est ça. Tu en appelles régulièrement dans ton écriture à amorcer une troisième histoire. Alors ça pourrait être un bon début ici, parce que je suppose que s'il y a troisième histoire, c'est que ben, il y en a eu une première et une deuxième. Oui, tout à fait. Donc c'est une question centrale, c'est vraiment la colonne vertébrale du texte ou de la réflexion en tout cas. Donc, je vais peut-être répondre un petit peu plus longuement que les autres aphorismes ou phrases que tu me citeras. Je ne sais pas d'ailleurs si ce sera les mêmes phrases. Je savais qu'il allait me poser des phrases extraites du livre, mais je ne savais pas quelles phrases. Je ne saurais même pas si c'est les mêmes phrases qu'hier. Je t'en réserve quelques-unes. Oui. Donc c'est le suspense. La troisième histoire, j'ai tiré cette idée de Françoise Gange. Françoise Gange s'est intéressée aussi à l'histoire des religions. Elle a écrit un livre qui, dans sa première édition, s'appelait « Les dieux menteurs ». Les dieux menteurs, ce sont les dieux du monothéisme. Les trois monothéismes, donc judaïsme, christianisme et islam, sont, c'est pas moi qui le dis et c'est une telle évidence pour tout le monde, sont des religions dont le symbole premier, la représentation du dieu, c'est un dieu unique, mâle et abstrait. Il n'y a pas de femelle avec lui, il n'y a pas de déesse et il est hors du monde, ce qui n'était pas le cas dans dans d'autres types de spiritualité, notamment le chamanisme, donc qui est la toute première expression de la spiritualité humaine, qui remonte très loin au paléolithique, moins 20 000, et qui continue à l'époque néolithique, au moins 10 000 avant Jésus-Christ, ce qui n'est pas le cas non plus dans certaines représentations asiatiques, et hors du monde, alors que, par exemple, le chamanisme, sa définition, c'est même pas une religion, c'est un accord entre le vivant et ce qu'évoque la nature, toutes les représentations de la nature. Et les symboles sont très importants et ce sont des manières de styliser ce que voyaient les êtres humains de l'époque. Représentation du sexe du mâle ou du sexe féminin, représentation des animaux. Donc j'ai lu ce texte de Françoise Gange, j'étais très impressionnée. Ce texte a été republié sous un titre plus évocateur qui est « Avant les dieux, la mère universelle ». Donc, qu'est-ce que c'est la première histoire ? La première histoire, c'est celle qui remonte au paléolithique, que j'ai cité, qui s'arrête au néolithique où commence la deuxième histoire, selon Françoise Gange. Et donc, c'est celle où on connaît ces déesses de la fertilité. Ce sont ces grosses déesses rondes, déesse de Willendorf, déesse de l'Espuge, ces femmes en pierre taillée qui représentent la fertilité. C'est aussi l'époque des mythogrammes, donc je vous ai pris ces symboles qui représentent à l'époque magdalénienne, donc là on est à moins 10 000, à moins 18 000, à moins 10 000 avant Jésus-Christ. On trouve certainement plus d'une centaine, presque 200 grottes où on trouve les très belles grottes de Lascaux, celles d'Altamira, avec les animaux qui ont un pelage différent selon les saisons. Donc on représente l'écoulement des saisons, l'écoulement du temps, le changement, c'est un thème qui est important à cette époque. Et ce sont aussi des grottes dans lesquelles on a des représentations dans le cadre du chamanisme, de cette première spiritualité, qui sont impressionnées par la nature, fascinées, qui sont terrifiées, parce que comme l'homme moderne le peut aujourd'hui, à l'époque, on ne pouvait pas agir, ou très peu, sur la nature, et on ne la comprenait pas. Donc c'est une spiritualité qui essaye d'agir sur la nature par l'évocation d'images. Et c'est à cette époque que ce contact direct avec la nature va créer des symboles qui sont dans notre imaginaire, ancrés dans notre imaginaire, qui sont des croyances, des coutumes, qui vont être la structure, vraiment le canevas de ce que moi j'ai appelé dans mon texte de manière poétique une seule histoire, parce que dans ces symboles, toutes les religions qui vont suivre, toutes les spiritualités vont aller puiser des images. Alors je vous donne quelques images, quelques symboles
C'est par exemple quelque chose que vous connaissez très bien. Ce symbole-là est le symbole du féminin, donc ça représente en fait le triangle du sexe de la femme, et le contraire, qui représente évidemment le sexe de l'homme, c'est la pointe. Mais il y a d'autres symboles qui apparaissent, et notamment celui de l'écoulement des générations, qui est un croisement des deux symboles, féminin-masculin, donc si vous les croisez, vous avez le V dans un sens et le V dans l'autre sens, qui sont représentés sur les grottes dans une espèce d'échelle, parce que c'est le symbole de l'écoulement des générations. Donc je vous décris ce symbole-là, mais il va y en avoir d'autres. Alors il faut quand même savoir que dans la première écriture mésopotamienne, dans la première écriture de l'histoire de l'humanité, ce symbole féminin va devenir le symbole du féminin. Voilà, je vous raconte ça parce qu'il y a pas mal de penseurs, comme par exemple Paul Ricoeur, qui disent que ça structure littéralement notre psychologie. Et on reviendra plus tard avec l'évocation des archétypes de Jung, parce que Jung pense que ça structure aussi encore notre psychologie. Donc ça, c'est la première histoire. C'est celle où le féminin avait beaucoup d'importance. Les archéologues n'ont pas retrouvé, dans ces époques moins 20 000, moins 18 000, jusqu'à moins 10 000, ont retrouvé très peu de représentations de figurines masculines. Donc le féminin spirituel et l'évocation de la reproduction de la fertilité est capitale. Donc la femme est importante, le féminin est important, et le thème du changement. Voilà, ça c'est la première histoire. C'est une sorte de passé obscur que les textes philosophiques ou les textes monothéistes ou toute une littérature évoquent à mots très très couverts et surtout avec une très grande peur. Oui, on pourra l'évoquer quand on parlera de la psychologie. C'est du chaos et que la civilisation ne se construit qu'en se détachant de ce chaos originel. Il y a une espèce de peur originelle du féminin. Oui, on dit dans certains textes que, par exemple, dans la Trinité de la chrétienté, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit serait la représentation épurée qui ne serait plus animale, parce qu'on a essayé de lui enlever sa substance animale qui était propre au chamanisme. Ce serait la représentation épurée de la déesse, en fait, parce que c'est quand même un peu bizarre d'avoir un fils, d'avoir un père et pas d'avoir de mère, de déesse. On dit aussi dans les histoires des religions, etc., que le diable serait l'héritage de la représentation du féminin, parce qu'il représenterait tout ce qui est pulsion, animalité, irrationnel. Je vous fais quand même remarquer que la représentation de la déesse ici, elle a des ailes, elle a des griffes, elle est entourée d'animaux, et que certaines représentations à certaines époques du diable sont... Elle a des cornes, parce que c'était la représentation de la royauté, mais aussi parce que les animaux auxquels elle était attachée, c'était beaucoup d'animaux qui nourrissaient, donc les bêtes à cornes. Mais je vais peut-être passer à la seconde histoire, sinon je vais être trop longue sur la première question. La seconde histoire, c'est celle qui commence au Néolithique. Au Néolithique, vous n'avez plus de chasseurs-cueilleurs, vous n'avez plus de nomades, vous avez, comme vous le savez dans les cours d'histoire, la sédentarisation, vous avez l'agriculture, vous avez le développement des biens, on commence à accumuler les biens, on doit les protéger, on construit des cités, on construit des villes petit à petit, les empires vont se développer, premiers empires mésopotamiens, les Assyriens, les Babyloniens, etc., et puis tout le reste va suivre. Donc, naturellement, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, naturellement, l'homme prend plus d'importance, alors qu'on avait une espèce peut-être d'équilibre de représentation entre l'homme et la femme, et le féminin et le masculin dans la première histoire. Il prend plus d'importance parce que c'est le guerrier, parce que c'est lui qui va prendre l'importance au point de vue du pouvoir politique, qui va prendre l'importance dans les clergés, qui vont se développer petit à petit. La femme prendra moins d'importance dans les sociétés et donc naturellement prendra moins d'importance, mais ça se place sur des centaines d'années, sur des millénaires, dans les représentations spirituelles, religieuses. C'est la deuxième histoire et les représentations religieuses aussi vont de plus en plus devenir abstraites alors qu'elles étaient très concrètement attachées à la nature. Pourquoi ? Parce que les hommes dans les cités sont protégés et ils ont le temps de développer une réflexion plus abstraite, et on en arrivera aussi à l'écriture. Ça, c'est la deuxième histoire. Alors, tu vas me demander, qu'est-ce que c'est la troisième histoire ? Puisque tu en appelles... Enfin,
la jeune femme qui est sans doute ton porte-parole, Rose à Paris, dans le livre, on appelle régulièrement à une troisième histoire. Alors là, je vais revenir à ce que j'avais dit, mon symbole de la déesse, c'est celle du féminin. Parce que je voudrais définir ce féminin, parce que je voudrais vraiment pas qu'on croie que je suis rétrograde, passéiste, que je pense que la femme n'a pas les mêmes capacités intellectuelles, sociales, dans n'importe quel domaine, intime, que l'homme. Il est évident que quand je dis masculin et féminin, c'est parce qu'en nous, nous avons ces deux tendances. Et la vision du féminin, c'est bien celle, et je me rattache encore une fois à celle de Frédéric Lenoir, c'est celle qui est une représentation de ce qui est, je dirais, plus du domaine du fluide, plus du domaine du lien, plus du domaine de ce qu'on appelle de manière abstraite aujourd'hui l'holistique, contrairement à l'analytique. Et la représentation du masculin serait plus ce qui relève du parcellaire et du séquencé. Non pas qu'une femme n'est pas capable d'élaborer une pensée abstraite, c'est pas ça, mais c'est comme ça que ça vient dans les thématiques et dans les mondes intérieurs. J'ai été très intéressée de lire dans Livre Hebdo, qui est donc la grande revue d'information du domaine de l'édition, de la librairie, des bibliothèques et des auteurs. Donc je la lis tous les jours pour mon travail au ministère de la Culture. Très intéressée de voir qu'il y avait un grand article sur le management au féminin, où il mettait exactement en évidence cet élément du lien et du rapport moins conflictuel dans le management qui se développe maintenant petit à petit depuis des décennies. Donc ça m'a intéressée parce que c'était vraiment le terme que je mettais en évidence. Alors qu'est-ce que la troisième histoire ? Ce serait une réconciliation en quelque sorte dans tous les domaines, mais à la fois plus de présence de ce féminin et donc plus de lien avec le monde. Plus de liens, moins de biens, c'est le mot d'ordre de la décroissance économique. Donc ça va autant dans le domaine de l'intimité que dans le domaine de la psychologie, ça on y reviendra quand on parlera de Jung, que dans le domaine des institutions et de l'économie et aussi un retour à une vision plus globale où on penserait esprit-matière ensemble et plus de manière moins séquencée. Voilà. J'espère que je suis claire. J'espère que c'est clair. Tant qu'à raconter, tu avais l'idée de lire un passage du livre. Ah, je oui, me demande si ce serait pas le moment oui. Adéquat, parce que je suis très sensible à l'idée que de faire passer le message que le livre n'est pas un livre de démonstration, oui. C'est un livre d'évocation poétique. Et je raconte en des termes qui sont parfois pas naïfs, mais qui sont ingénus, toutes ces thématiques dans lesquelles on circule. Donc l'extrait que je voulais lire, et je t'avais demandé de pouvoir le lire, c'est justement un extrait qui n'est pas un des dialogues entre Rose et Karl, qui est un des souvenirs, un des premiers souvenirs de Rose. Donc ces souvenirs viennent petit à petit, comme je l'ai dit. Et justement, c'est un souvenir qui est une errance dans la ville, mais qui est aussi un symbole volontairement poussé à l'extrême. Parce que, encore une fois, je le dis, je ne suis pas rétrograde. Donc je ne veux pas qu'on revienne à une agriculture ou à une science du passé. Je suis tout à fait pour la défense de la science moderne. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas aller dans un excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et ici, volontairement, l'extrait montre un supermarché dans son côté excessif de biens envahissant la vie des hommes et d'un autre côté une nature rabougrie. Donc il y a une symbolique, je vais lire, je ne me souviens plus à quelle page c'était. Je crois que je l'ai noté. Ah voilà, non c'est pas ça. Je crois que je l'avais noté, l'extrait que je voulais lire. Voilà. Donc c'est Rose qui parle, c'est son souvenir. Je suis dans la rue. Dois-je rejoindre la maison ? C'est trop loin, je ne tiens plus sur mes jambes, je suis épuisée. J'ai marché tout l'après-midi depuis ma sortie précipitée du café, après la discussion avec l'inconnu dont je ne retrouve pas le nom. Mon esprit demeure fermé. Ma mémoire se dérobe à cette évocation. Qui est cet homme ? Je me souviens cependant d'une errance au cœur de la ville. Mais quelle ville ? Je ne vois qu'une grande rue principale d'une laideur stupéfiante. Les trottoirs défilent.
Où mes pas me conduisent-ils ? Je passe devant des magasins endormis, quelle heure est-il ? Les rues ont vomi toute la journée des troupeaux de gens au comportement incongru. Une femme, à l'expression figée, affublée d'un bonnet bleu à pompons. Une bande de jeunes filles en colère et de garçons vêtus de noir, courant pour rejoindre je ne sais quelle destination. Un homme âgé, à la barbe et aux cheveux blancs, s'aidant d'une canne pour marcher et traînant ses pieds chaussés de pantoufles. Un grand individu sûr de lui, souriant mécaniquement et montrant des dents luisantes, trop bien rangées, habillé d'un pantalon serré, le torse cintré dans un t-shirt coloré, il a traversé le boulevard en quelques enjambées, énergique et désinvolte. Puis, il y a eu cette vieille, à la tête de cheval, à l'allure morne, croisée près d'un square orné de platanes. Enfin, ce gros bonhomme entrevu à la fenêtre d'un snack, engouffrant un hamburger couvert de sauce et des gaufrettes fourrées à la crème, le tout accompagné d'un jus d'orange. Au même endroit, une blonde excitée m'a joyeusement interpellée. « Voulez-vous essayer le nouveau yogourt aux algues marines ? J'ai des bons d'achat, prenez !» À la fin de l'après-midi, j'aborde une avenue plus calme, à l'intersection de deux quartiers. Les rues marchandes ont disparu, le soir tombe. Un sentiment d'appréhension grandit en moi à l'idée de retourner à la maison. Je m'assieds sur un banc, au bois vermoulu, non loin d'un supermarché. J'aperçois un écureuil roux, modeste enfant de la nature qui survit dans la ville bétonnée. La taille minuscule de l'animal attire mon attention. S'agit-il d'un jeune ayant quitté trop tôt le nid et qui s'est égaré comme moi ? Il disparaît derrière le tronc d'un marronnier, mais je le repère, juché sur la première branche d'un arbre. Je demeure assise un long moment, méditant sur mon sort, dans ce carré de verdure perdu entre deux rues étroites face au supermarché. Des graminées et divers végétaux envahissent ce bout de terrain presque rendu à la sauvagerie, qui affiche une vitalité tenace. Ce coin d'espace possède une secrète majesté. Un jeune pissenlit s'épanouit devant moi. Des insectes bourdonnent. Un merle, perché au sommet d'un buisson rabougri, gratifie le monde de son chant fécond. La vocalise de cet oiseau est-elle à l'origine de l'univers ? Je me suis souvent posé la question. Le volatile s'élance dans les airs en un vigoureux bruissement d'ailes pour se reposer de l'autre côté de la rue, sur le toit d'une maison. Un chien passe et renifle quelques excréments séchés. Il lève le museau et m'interroge du regard. Ma présence ici est-elle opportune ? Puis il poursuit sa course d'un air satisfait. Face au carré vert où je me tiens, on a construit un parking aux dimensions impressionnantes. Même en cette fin de journée, les clients du grand magasin sont nombreux. Ils se garent sur une aire de stationnement, jettent un coup d'œil dégoûté au terrain vague d'où je les observe, effectuent quelques achats rapides. Je les vois ensuite retourner à leur voiture et redémarrer. L'air se refroidit peu à peu. Le parking est presque désert. Les lumières commencent à s'allumer aux fenêtres des habitations. Le merle a cessé de chanter. La nuit prend possession de mon coin. Me suis-je endormie sur le banc ? Je perçois un parfum vanillé qui me chatouille les narines et dont je ne décèle pas l'origine. Un fort vertige me saisit, sans doute provoqué par la faim. Mon souvenir s'arrête sur une dernière image. Le pissenlit, fièrement dressé à mes pieds. Eh bien, précisément, le pissenlit, l'écureuil, le merle, ça me donne la transition. Tu dis quelque part, et ça m'a beaucoup intrigué, toi qui poses mille et une questions, tu dis quelque part, il y a une question qu'on ne peut pas poser, la question est interdite, pourquoi quelque chose plutôt que rien ? Et il me semble que tu viens de donner la réponse, parce qu'il y a des choses qui sont, et que d'une certaine manière, Rose, et c'est ça son message, c'est de célébrer la vie, ce qui est, et de retrouver l'évidence, aussi la force et les exigences des choses simples de ce qui est. Oui, tu as tout à fait raison, et je vais me permettre de faire une petite référence ici à ce que je vous avais dit, c'est-à-dire le fait que je porte cette thématique en moi depuis longtemps. Je vais le raconter de manière à nouveau un petit peu ingénue.
Dans ma famille, je viens d'une famille d'artistes, on ne m'a jamais donné aucun dogme depuis que je suis petite. Donc la seule chose qu'on m'a transmise, parce qu'on aimait la nature depuis longtemps, depuis plusieurs générations, c'est le respect du vivant, c'est l'amour de la nature, aller dans la nature, regarder la nature, aimer le vivant sous toutes ses formes, végétales, minérales, animales. C'était très important, c'était quelque chose qui était valorisé. Et de manière très concrète, pas de manière abstraite, la nature avec un grand N. Et aussi autre chose, donc c'est une famille d'intello et d'artistes où on lit beaucoup, les livres, en particulier la poésie, étaient quelque chose de naturel et de marqué comme très important, aussi important que les biens dont on avait besoin tous les jours. C'est quand même très marquant pour un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné à lire quand j'ai su lire? Notamment des contes. Et j'avais une série de contes et légendes des pays asiatiques, de contes et légendes des pays celtes, de contes et légendes gréco-romains. Et quand j'étais à l'école, il se fait que j'étais dans une école catholique, puis après j'étais à l'ULB, et donc on m'a raconté des histoires au cours de religion de Jésus, de Dieu. Et naturellement, parce qu'on ne m'avait jamais parlé de ça à la maison, je ne savais même pas que ça existait, comme je ne savais pas qu'existait l'athéisme, d'ailleurs c'était trop abstrait à l'époque, moi, j'ai réagi en disant « ça, ce sont les contes et légendes de la chrétienté ». Puis après, en grandissant, j'ai appris qu'il y avait le judaïsme, il y avait l'islam, il y avait d'autres religions asiatiques. C'était toujours dans mon esprit les contes et légendes de l'islam, les contes et légendes du judaïsme. C'est toujours resté en moi. Alors, c'est peut-être enfantin, mais c'est toujours resté comme ça. Donc, je n'ai pas eu l'esprit orienté vers une croyance, vers un dogme. Et on ne m'a pas dit non plus qu'il n'y avait que la matière. Par contre, il y avait la poésie, il y avait les livres, qui étaient aussi importants que les objets, je vous l'ai dit, et il y avait la nature. Et du coup, il y a quelque chose qui, à partir du moment où j'ai cogité, parce qu'en plus, les livres, ça fait cogiter, que ce soit les histoires ou les essais plus tard, il y a plein de questions qui se sont, mais littéralement, bouleversées dans mon esprit et qui me rendaient mal à l'aise. C'était des questions naïves, c'est pourquoi, c'est ce que j'ai appelé la litanie des pourquoi. Pourquoi tous les gens y croient à ça? Pourquoi il y a des dogmes? Pourquoi les sciences, elles racontent des choses par morceaux? Parce qu'elles ne répondent pas non plus à toutes les questions. Et elles analysent les choses par morceaux. Il y a des spécialistes dans toutes les matières. Pourquoi la philosophie, elle fait des systèmes et dans ces boîtes, il manque toujours quelque chose. Quand on lit un philosophe, il y a toujours quelque chose que je voyais dans la nature, dans la vie autour de moi, qui n'était pas dans la boîte du philosophe. Pourquoi les animaux, ils ne sont pas dans le discours de tous ces gens, scientifiques, philosophes et des religions, ils ne sont pas aussi importants que me l'ont dit mes parents? Et pourquoi il y a un truc à certains moments, quand je me suis intéressée à la psychologie, il y a un machin qu'on ajoute, qu'on a appelé l'inconscient et qu'on ne voit pas, qui n'est pas matériel? Et pourquoi moi je me pose toutes ces questions? Et pourquoi moi je me les pose beaucoup plus que d'autres gens? Donc c'était très fatigant. Alors je me suis dit, tous ces machins, ça doit bien se relier quelque part. Et je ne trouvais aucune réponse qui me disait comment tout se relie. Et alors je me suis dit, bon, ben, à partir d'un certain âge, je me suis dit, très bien, je vais essayer de répondre moi-même à la question. Mais comme je ne suis pas une scientifique, et que c'est surtout raconter le littéraire, je me suis dit, je ne peux que raconter. Moi, je suis spécialiste qu'en criminologie, oui. Donc voilà. Et c'est ça aboutit au bouquin. Une litanie des pourquoi. La litanie des pourquoi. Tout le monde a toujours une tâche aveugle, un point d'où voilà. On écrit. Et il y a une seule question auquel je t'interromps, excuse-moi. Il y a une seule question qui est interdite dans le sens impossible, hein, c'est un mot poétique. Il y a une seule question auquel on ne sait pas répondre. Professeur, vous êtes quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres sur beaucoup de sujets. Cher François, grand philosophe, grand juriste. Mais nous parlons de vous. Tu ne sais pas répondre à cette question non plus. Tu peux dire pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Non, mais je trouve que c'est intéressant d'identifier la tâche aveugle de ton écriture, oui. C'est-à-dire le point de départ d'où tu es. C'est le pissenlit, le merle, l'écureuil, voilà. C'est-à-dire une forme de célébration poétique, puis spéculative, du vivant, du lien, de ce qui est. Voilà. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est parce que ça me tenaillait littéralement. Alors, moi, j'ai un autre pourquoi. Comme j'ai lu, c'est le royaume des mers. On revient, ah oui. On revient au féminin primitif. Je dis ça parce que j'ai lu Goethe et je m'intéresse beaucoup au personnage de Faust, le vieux savant qui, au soir de ses travaux et de sa vie, est un peu revenu de tout et puis qui trouve une sorte d'échappée factice dans le pacte avec le démon. Et ce n'est pas tout à fait le récit de Goethe, parce que Goethe va sauver son Faust, oui.
va en faire une figure, au contraire, de l'entreprise et du courage. Et au cours de ses pérégrinations, le Faust de Goethe fait un détour par le royaume des mers. J'avoue qu'avant d'avoir lu ton livre, je n'avais jamais compris ce passage. Or, tu dis quelque part dans ton texte, et c'est là-dessus que je voudrais t'interroger, tu dis quelque part, enfin c'est Rose qui interpelle Karl et qui dit « tu as ramené des trésors du royaume des mers ». Alors ma question, c'est quoi ce royaume des mers et quels sont ces trésors que Jung aurait ramenés du royaume des mers? Oui, alors je rassure tout de suite le professeur Host et tous les mâles qui sont dans la salle, il y a aussi un empire des pères, hein, et on peut inverser si on veut, hein, pour dire l'empire des mers et le royaume des pères, mais donc... Dans la deuxième histoire, si je dis bien. Oui, enfin, j'ai dit aussi que le masculin et le féminin étaient deux parties en nous. D'ailleurs, on va parler ici avec Jung de l'alchimie, et donc vous allez voir tout cet imaginaire. Donc, on a parlé avec la première question assez bien de l'aspect mythique et un peu religion. Vous vous en êtes rendu compte quand on a parlé des trois histoires. Avec cette question-ci, je vais parler plutôt d'un des aspects science, c'est-à-dire de l'aspect psychologie. Et donc je vais parler de Jung, qui est en fait donc ce qu'on appelait le père de la psychologie des profondeurs, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé, bien sûr comme Freud, mais d'une autre manière, à cet inconscient, et il a développé principalement, je ne vais pas tout détailler de la pensée de Jung, ce serait trop énorme, une pensée qu'on dit pensée de la complexité. Une des grandes différences avec Freud, et une des raisons sans doute pour lesquelles Freud a séduit la France, qui est un pays d'esprit très cartésien, c'est que Freud a une pensée extrêmement construite, très rationnelle, très par étapes. Et Jung, quand vous lisez ses bouquins, il jette des pierres, en quelque sorte, qui sont des thèmes, et il fait des ronds dans l'eau. Dans chaque bouquin, il reprend le thème, et il tourne autour pour le décrire, et il l'approfondit. C'est comme ça qu'il a travaillé, donc c'est une méthode qui relève plutôt de l'intuition. Jung définit l'intuition comme... le lieu hybride, voilà, on est de nouveau dans l'hybridation, d'indétermination de l'esprit et de la matière. Et les deux grands concepts qu'il a mis en évidence, c'est l'inconscient collectif et les archétypes. L'inconscient collectif, qu'est-ce que c'est ? C'est un inconscient qui nous est propre à tous, qui va chercher dans les images, les symboles, les expériences vécues du passé, des expériences héritées de tous nos ancêtres, mais remontant très loin et qui seraient encore dans notre inconscient. Nous avons bien sûr chacun, chaque individu, un inconscient individuel, mais nous sommes aussi nourris par cet inconscient collectif qui est fait d'images, qui est fait de symboles. Ce sont des qui est composé des archétypes. Les archétypes sont des images primordiales. Ce sont des vestiges d'expériences anciennes qui sont toujours vivantes dans la psyché humaine actuelle. C'est par exemple l'image de la grande mère, l'image du grand sage, l'image de l'enfant, l'image du monstre, toutes des images essentielles qu'on retrouve dans toutes les cultures. Et alors pourquoi est-ce qu'il a développé cette idée ? Il ne faut pas oublier qu'il était médecin. Jung, c'est parce que vous savez quand même tous qu'en biologie, un enfant, un bébé, un embryon, puis un fœtus dans le ventre de sa mère reproduit toute l'évolution biologique, très physique, de la complexité du vivant. Il y a une échelle de complexité, on est composé d'atomes, de molécules, etc., avec différentes étapes jusqu'aux organismes. Et dans les organismes, les poissons ont un niveau de complexité moins développé que les mammifères, moins développé que les grands primates. Et donc, l'embryon, le fœtus, ressemble d'abord à une espèce de petit têtard. Il va passer tous les stades de l'évolution. Eh bien, Jung décrit la même chose pour l'évolution psychologique. Et donc, nous avons encore en nous ces images anciennes. Et le royaume des mers, pourquoi ? Parce qu'il dit que comme c'est un... Cet inconscient collectif est un chaos fécondant, ça c'est la grande différence avec Freud, c'est que pour Freud, l'inconscient est un endroit de refoulement destructeur. Pour Jung, il a les deux facettes. On refoule également des images dont on ne veut pas, c'est une poubelle en quelque sorte, mais c'est aussi un chaos fécondant, créateur. C'est le lieu du lien, c'est le lieu qui nous relie tous, puisque c'est un inconscient collectif. Or, je vous ai dit que dans la tradition et dans l'image du féminin, le féminin, c'est l'image du lien. Donc voilà pourquoi le royaume des mers. C'est une expression que je n'ai pas inventée. Hein. Par contre, c'est moi qui dis « tu as ramené quelques trésors du royaume des mers » pour parler en effet de la pensée
de Jung. Alors, je voudrais faire un lien avec une des sources où a été puisé Jung pour élaborer sa pensée, c'est l'alchimie. L'alchimie est bien sûr l'ancêtre de la chimie, puisque les alchimistes faisaient des expériences sur les matières, mais c'est aussi l'ancêtre de la psychologie. Toutes les images qu'on trouve dans l'alchimie, qui sont très belles, racontent une seule chose, c'est ce que Jung a appelé le processus d'individuation, c'est-à-dire comment un individu, n'importe lequel, passe par toutes les étapes pour devenir mature, pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Il doit d'ailleurs rencontrer son ombre, son ombre intérieure, on l'évoquera. Et c'est ça le grand œuvre alchimique. C'est ça la recherche de la pierre philosophale, de l'or alchimique. C'est la recherche de soi-même, de qui on deviendra. Et alors, il y a les étapes de l'alchimie. Il y a une conjonction des contraires, ça vous dit quelque chose, masculin, féminin, esprit, corps, matière, culture, nature. Et donc, il y a une conjonction des contraires. Et donc, ces images de rechercher le lien qui est aussi bien intérieur, mais moi, je l'ai raconté aussi dans la société. Donc, vous voyez un peu les liens entre les thématiques que je fais. Donc, ces images qu'on retrouve dans la psychologie de Jung, il a été les chercher notamment dans l'alchimie. Est-ce que dans ton propos, tes lectures, à propos précisément de l'union des contraires, la figure de l'androgyne, oui. L'hermaphrodite, l'androgyne, oui. Qui est quand même discrètement présente, même si elle est très refoulée, dans la deuxième histoire. Mm-hmm. Je pense par exemple dans la spiritualité chrétienne à la figure ambivalente de l'ange, du sexe desquels on ne discute pas. est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré? Oui, alors je n'ai pas évoqué l'androgyne parce que j'évoque déjà bien assez de choses. L'androgyne est une des images très importantes dans l'alchimie qui a été étudiée par Jung. C'est évidemment une image de conjonction des contraires, hein, à la fois féminin et masculin. La différence entre l'androgyne et l'hermaphrodite, c'est que l'hermaphrodite, on considère que c'est une image purement sexuelle. Là, les deux sexes, c'est d'ailleurs quelque chose qui peut parfois arriver dans la nature. Tandis que l'androgyne, c'est plutôt un symbole. Alors, je ne sais pas si c'est l'image de l'ange. L'image de l'ange, c'est plutôt Hermès, qui est le messager des dieux, comme vous savez, chez les gréco-romains, qui est Mercure, qui a ses petites ailes à son casque et les petites ailes à ses pieds, et qui a son caducée, son bâton magique, qui est le messager des dieux, qui va aussi bien des enfers au ciel que dans l'eau, chez Poséidon, etc. Et alors, c'est très particulier, parce que ce caducée, ce bâton, on dit dans les analyses, dans les dictionnaires symboliques, que c'est un héritage de ce dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire cette représentation de l'échelle avec les générations, les fameux croisements masculin-féminin. Le caducée, le bâton représenteraient ça. Et la raison pour laquelle il y a deux serpents qui s'entrelacent, c'est que ce serait un héritage de ce symbole du changement. C'est-à-dire, ça fait référence à ce chamanisme, à cette thématique où le changement avait beaucoup d'importance. Voilà, je ne sais pas. Alors, si ça répond à ta question, j'entre dans des symboles qui deviennent très... En bon enseignant, très... j'ai la montre devant moi et je regarde... Et il faut me couper parce que je suis bavarde. Je garde discrètement ma montre et effectivement, je te connais, donc... Nous devons encore parler de ce crime et de tout le passage par le mal, par la part d'ombre. Nous devons évoquer la question du développement durable. Mais pour terminer sur toutes ces questions des symboles, des animaux, une dernière question que je voulais te poser. Tu dis quelque part, et cette formule aussi est énigmatique, tu dis quelque chose du genre... Enfin, tu fais la différence entre l'animal et la bête et tu dis s'il faut s'animaliser, il ne faut pas se bestialiser ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai que c'est bien de poser cette question parce que ça me permet de faire alors le lien avec, donc on a parlé psychologie avec Jung, mythe avec la première question, avec les évocations scientifiques que j'ai fait. Alors je ne parlerai peut-être pas de la physique quantique. Si je l'ai évoqué dans le livre, c'est parce que cette dualité, les deux choses en soi, se retrouvent aussi dans les constats qu'ont fait les scientifiques lorsqu'ils faisaient des expériences sur les particules élémentaires. Donc je ne parlerai pas de cet exemple-là, mais je prendrai l'exemple de s'animaliser. Donc l'animal, c'est évidemment le symbole de la nature. Et ça m'a fort intéressée. D'abord, quand je dis s'animaliser, n'est pas se bestialiser. Donc je fais référence à l'animal...
Et je le distingue de la bête. Pour moi, la bête, elle est aussi bien le comportement le plus destructeur chez l'animal, autre que nous, parce qu'on fait quand même partie du règne animal, que chez l'être humain. Donc, et pourquoi s'animaliser ? Eh bien, parce qu'un autre grand auteur que j'ai lu, je vous ai cité par exemple Frédéric Lenoir, je vous ai cité Françoise Gange, un autre auteur que j'ai lu et qui m'a très fort impressionnée, c'est un primatologue, c'est Franz de Waal, je suppose que certains d'entre vous le connaissent, qui a beaucoup travaillé sur l'éthologie. L'éthologie, c'est le comportement des animaux. Il s'est intéressé, comme je vous dis, aux grands primates, notamment aux chimpanzés et aux bonobos. Et il a mis en évidence quelque chose de capital qui a été une révolution depuis de nombreux siècles, peut-être pas plus lointainement, puisque je vous dis, les animaux étaient peut-être plus proches des hommes. Mais il a mis en évidence quelque chose qu'on a rejeté comme vision de l'animal depuis de nombreux siècles, et surtout depuis l'époque des Lumières, la philosophie des Lumières, le XVIIIe siècle, à savoir qu'on avait la vision que la nature était l'origine, que la culture, c'est-à-dire toutes les civilisations, tout ce que donne la civilisation, était l'origine de tout ce qui est positif en l'homme. Le bien, la générosité, la pensée élaborée, l'action propre aux droits de l'homme, etc. Tout ce qui était positif en l'homme. Et que tout ce qui était destructeur, la guerre, le racisme, l'assassinat, tout ce que vous pouvez imaginer, venait de notre côté animal. Et il a mis en évidence une chose, c'est que c'est tout à fait faux. C'est-à-dire qu'on trouve chez les animaux, principalement chez les grands primates, mais on le trouve de manière moins substantielle chez des animaux moins évolués. Il a étudié par exemple les singes rhésus aussi. On trouve aussi l'empathie, la générosité, l'attention par exemple aux congénères, autres singes handicapés. On trouve des comportements de solidarité chez les animaux, chez les grands primates. C'est-à-dire que la source de ce qui est constructeur en l'homme vient aussi bien de sa culture que de son animalité, et la source de ce qui est destructeur en l'homme vient aussi bien de la culture que de son animalité. Et donc ça me touchait de nouveau, parce que c'était de nouveau une chose et son contraire en même temps. On trouvait la source des deux facettes, destruction, construction, esprit, matière, féminin, masculin, enfin toute la conjonction des contraires dans l'animalité comme dans la culture. Je ne sais pas si j'aimerais beaucoup lire encore un passage. Je peux lire encore un passage du livre qui est en fait une paraphrase de, vraiment, mais très résumé, parce que Franz de Waal a écrit beaucoup de livres, de sa pensée, où il met en évidence ce que je viens de vous dire. J'ai le temps. Ce sera le deuxième et dernier passage. J'ai encore quelques questions. Ah bon, d'accord. Du développement. Oui, c'est important. Je vais prendre le livre, je vais reprendre le... Donc, je dis bien et je le mets en évidence à la fin du livre, quand, comme je vous l'ai raconté, je n'ai pas fait de notes de bas de page, et donc j'étais obligée de citer sans guillemets ce que la science exige d'une universitaire et de toute analyste d'ailleurs. Donc j'ai paraphrasé, et je dis à la fin du bouquin, je cite les auteurs que j'ai paraphrasés. Donc il y a des phrases qui sont ici bien celles de... texto de Franz de Waal, et que je mets dans un dialogue entre Rose et Jung. Alors encore une fois, vous voyez bien que c'est une histoire, parce qu'à l'époque, on est en 1955, Rose évoque Franz de Waal. Franz de Waal n'avait rien publié sur l'empathie des animaux à l'époque. Donc voilà. Donc Rose vient de citer le nom de Franz de Waal à Jung, et elle dit à Jung, Franz de Waal, il a signé quelques ouvrages étonnants. De la réconciliation chez les primates, ou encore Bonobo, le bonheur d'être singe, et surtout le singe en nous. Jung, Bonobo, dis-tu ? Rose, on a longtemps cru qu'il s'agissait d'un chimpanzé nain. Jung, un livre sur le singe et nous ? Rose, non, le singe en nous, c'est le titre de son dernier livre. Franz de Waal est un scientifique, un primatologue, il étudie la vie des chimpanzés et des bonobos. Il explique que l'homme est un singe bipolaire, mi-chimpanzé belliqueux et politique, mi-bonobo pacifique et sensuel. Les chimpanzés règlent les questions de sexe par le pouvoir, et les bonobos arrangent les questions de pouvoir par le sexe. Les mâles dominent chez les chimpanzés, les femelles sont à l'honneur chez les bonobos. Rivaux et brutaux, les uns font tout le temps la guerre, enclins à l'empathie, les autres ne cessent pas de faire l'amour. Jung, intéressant. Rose,
Le singe en nous est un ouvrage très sérieux. Son auteur expose que l'animalité de l'homme n'est pas seulement à l'origine de son agressivité, mais aussi la source de son empathie. Les bonobos sont très tolérants vis-à-vis de leurs congénères handicapés. La morale et la justice sociale trouvent ici un fondement naturel que la société occidentale ne reconnaît pas. Le chimpanzé est un animal brutal et sauvage, contrairement au bonobo qui est doux et sensible. Avec l'étude approfondie des bonobos, on mesure l'importance cruciale des singes dans le débat sur la condition humaine. Franz Zoal ajoute que la vision de la bonté comme invention humaine ne tient plus la route, car d'authentiques piliers de la morale, tels que la compassion et l'altruisme, existent bien chez les animaux. Il établit une comparaison avec la politique chez les Homo sapiens. Le communisme aurait échoué à cause d'une conception tronquée, angélique, de l'humanité, amputée de sa soif de compétition. Il ne faut pas oublier quand même que les humains sont des commerçants. Mais le capitalisme intégral, prédit le primatologue, se heurtera à sa méconnaissance des exigences de l'empathie sociale. Jung réplique, si je comprends bien, à singe bipolaire, économie mixte. C'est bien cela, répond Rose. Voilà, je crois que c'est explicite de manière très racontée en résumant, je le dis, de manière vraiment succincte, la pensée de Franz Zoal, puisqu'il a écrit de nombreux livres. Ce sont des passages qui m'intéressent, parce qu'il se fait qu'on posait la question précisément à l'université, dans les facultés de droit, existe un cours de droit naturel qui est le moment, une cinquantaine d'heures de cours sur le cursus des juristes, où on réfléchit à un fondement éthique du droit. Alors il y a tout ce rapport, on peut discuter naturel, mais il y a tout ce rapport effectivement... Nature-culture. Nature-culture. Mais maintenant j'en viens à un passage vraiment énigmatique de ton écriture. Rose à Paris, qui débarquait dans l'univers de Jung comme une espèce de lutin joyeux, parfois farceuse, parfois rêveuse, tout d'un coup se transforme en féroce pentésilée, une espèce de... La reine des Amazones, la pentésilée. Voilà. Et elle se rue sans pourquoi sur un passant. Et tu laisses le passage un peu dans l'ombre et puis tu dis il fallait que le négatif ou l'ombre... L'obscur, voilà. S'exprime. Il fallait que l'obscur s'exprime. Et puis tu dis il fallait en passer par le crime pour que l'amour éclose. Et puis tu continues avec des réflexions sur... Les rites de souffrance et les rites d'amour. Oui. Voilà, les rites de souffrance... Dans certaines civilisations. Oui, mais aussi dans les nôtres, pour précisément voir en face cette violence que nos sociétés un peu angéliques, droits de l'hommistes, qui ont eu la chance de ne pas être en guerre depuis 60 ans, je vois bien mes étudiants, cette violence dont nos parents étaient coutumiers est complètement refoulée. Et tu abordes par le biais cette question. Alors je voudrais que tu nous en dises plus sur le sens de cet épisode dans ton écriture. Oui, et donc je suis contente que François soit là pour peut-être un peu plus parler quand j'aurai répondu à la question, parce que une de tes spécialités, ce sont les droits de l'homme. Et donc, en effet, encore une fois, je ne suis pas rétrograde, je suis consciente de ce qui se passe à d'autres endroits que dans notre Belgique ou d'autres pays, qui est quand même très protectrice. Et comme tu l'as dit, depuis 60 ans, on vit dans un pays où il n'y a pas eu la guerre. Dans d'autres pays, il y a encore des dictatures, il y a encore la guerre, il y a encore des luttes essentielles pour les droits de l'homme, et notamment pour les droits des femmes. Donc je suis consciente de tout ça, mais toutes les régions du monde ne sont pas identiques. Je ne suis pas non plus pour la guerre, ce n'est pas ça que je vais dire quand je dis que l'obscur doit s'exprimer. Tout est une question de complexité, de dosage et d'équilibre. Le dosage et l'équilibre est une thématique qui est très importante dans l'alchimie, qui a beaucoup nourri toute cette réflexion. Donc ça n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans toute tendance qui est prise, y compris dans les droits de l'homme, il peut y avoir un excès. Donc ça, c'est au professeur spécialiste des droits de l'homme que je m'adresse, et à vous en même temps. On sait que
on a tendance maintenant, les juristes même l'enseignent, à évoquer parfois les droits de l'homme à tout bout de champ, alors que ce sont des droits fondamentaux qui ne doivent être évoqués que de manière essentielle, dans des circonstances essentielles. Et donc il y a une tendance liée à cette représentation idéale de l'homme qui vient des Lumières, évidemment de la philosophie des Lumières, et qui est, je le redis, essentielle. On a une tendance à penser que l'être humain doit être comme ça. Or, on a une part de destruction en nous, de destruction qui sort de nous, de colère, et je vais dire aussi de destruction nécessaire pour évoluer en nous-mêmes. Et donc, si on veut que l'homme moderne soit le reflet des droits de l'homme, on va créer un monstre, parce que c'est une image idéale, on va essayer de créer un ange, un être qui n'existe pas, un être parfait. C'est ce qu'on appelle l'angélisme des droits de l'homme. Qui fait l'ange, fait la bête, tu as dit plutôt que... Voilà, donc nous sommes un équilibre des contraires. Alors, je vais essayer d'appliquer cette formule que je sors, l'obscur, dans mon livre. L'obscur doit s'exprimer légalement. La société des droits de l'homme méconnaît l'obscur, et aussi les trois monothéismes. Il faut savoir que dans d'autres religions, notamment par exemple dans l'hindouisme, dont je connais les excès aussi vis-à-vis notamment des femmes, cette image qui est très nature, construction, conservation, destruction, est tout à fait claire, tout à fait évidente. Alors que dans les monothéismes, on a rejeté comme étant le mal, tout ce qui est mauvais, l'aspect construction qui est nécessaire dans la nature. Les choses doivent se détruire pour renaître. Cette thématique de détruire une partie de ce qui est vivant pour renaître est dans la psychologie de Jung, donc elle est nécessaire dans la psychologie d'un individu, je vais en parler, et elle est nécessaire dans la société aussi. Et là, je vais parler de la décroissance économique, parce que nous sommes dans l'excès d'objets maintenant, dans l'excès de matière. On est parti dans un excès qui va détruire la planète. Donc il y a une substance, il y a un excès quelque part qui va devoir se désintégrer, qui va devoir se détruire pour renaître autrement. Alors comment je l'applique dans la psychologie d'abord, et puis après dans la décroissance économique. Donc, Jung parle de l'ombre, il ne parle pas de l'obscur. Et il dit, pour chaque individu, l'ombre, c'est la partie inférieure de la personnalité refoulée. Ce sont toutes les images, les désirs, les idéaux du moi conscient qu'il ne peut pas et qu'il ne pourra jamais, parce que c'est sa vie, exprimer. Et donc, il doit accepter, à certains moments, dans quelque sorte, régresser à l'intérieur de lui-même, se rattacher à cet inconscient collectif et non plus à son inconscient individuel, puisque son inconscient individuel, comme son conscient, a une certaine image de lui-même. Il doit aller puiser dans ces images de l'inconscient collectif qui vont le nourrir, dans lequel il va trouver une nouvelle image de lui-même qui va le reconstruire, par lequel il va devenir mature et accepter ses limites. Limites, c'est un terme important pour la décroissance économique, mais pour le moment je parle de psychologie. Donc vous voyez, on va passer par un stade de régression, de transformation, de changement. On va passer par un stade plus obscur, où on va aller puiser dans une espèce de substance commune qu'ont tous les individus, pour rechercher une autre image de soi-même, qui n'est plus une image idéal telle que peuvent l'avoir les enfants ou les adolescents, mais une image plus mature. Ça, c'est pour la psychologie. Comment je l'applique dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on est gonflé, on est des espèces de bibendum de matière, des bibendum de matérialisme, des bibendum de productivisme, des bibendum de pollution pour la planète. Et donc on doit absolument accepter, pas de régresser, mais de se transformer, de se dégonfler en quelque sorte, pour renouer avec la nature, pour renouer avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel, pour accepter d'aller vers un modèle qui soit un modèle moins avide, qui soit plus proche du rêve, de la contemplation, et pas tout le temps de la consommation. Un modèle qui est en tout cas celui que j'ai, qui est poétique, de la décroissance économique, de la décroissance matérielle, qui, comme le disait Jean-Pierre Wilmot, qui est dans la salle, et je vous l'ai dit, qui est le représentant de la décroissance économique en Belgique, qui est mon modèle, parce qu'il y a différents modèles de la décroissance économique. Donc moi, mon modèle s'est nourri en allant rechercher dans les mythes
et dans la psychologie. Voilà. Mais j'arrive au même résultat. C'était la question que je voulais. Voilà, j'espère que encore une fois que c'est clair. Que la décroissance, on peut en parler de différentes façons. Oui. Économique, politique. Voilà, exactement. Donc, disons scientifique. Environnementale. Sur la base de faits, ou. Moi qui suis président de la Fondation pour les générations futures, sur un plan plus de l'action militante et politique. Mais ce qu'il y a d'original, qui mérite d'être souligné, c'est, je voudrais que tu en dises un mot, d'en parler sur le mode poétique. C'est original. Oui, comment en parler sur le mode poétique Je ne sais pas. Est-ce que peut-être en évoquant la figure de Bobo, je peux évoquer la figure de Bobo ou bien... Ah voilà, oui, effectivement. Je me rattache de nouveau au mythe et à la poésie. Je crois sincèrement que, je vous ai dit, pour moi, la poésie, c'est aussi important que la matière. C'est une autre forme de connaissance. C'est complètement intégré en moi. La poésie est souvent considérée comme quelque chose, on fait des vers, et c'est le flou artistique, c'est une distraction. Quel horrible mot. Alors que moi, je crois que ces images poétiques peuvent nous nourrir pour une autre vision du monde. Une vision qui intègre la contemplation, qui intègre la lenteur. On sait que quelque chose est en train de vivre dans la société, la slow attitude. Je t'interromps, mais là, donnes la réponse, en réalité, oui, à ma question. Oui, à ce que tu voulais. Je ne dois pas évoquer Bobo. On va l'évoquer, mais j'y tiens beaucoup à le dire, parce qu'on vit dans un monde où l'argumentaire... Et la consommation, l'avidité. Non, où l'argumentaire est de façon dominante de type scientifique. On croit que pour convaincre, il faut établir un certain nombre de faits. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que pour mobiliser les gens, il faut travailler au niveau de l'imaginaire. Oui, du cœur et de... Bon, le cœur est évidemment la source des passions destructrices, mais le cœur est aussi, quand on parle de Franz Howell et d'empathie, est aussi ce qui nourrit la générosité. Et la vie poétique, la vie contemplative, la vie d'admiration de ce qui nous entoure, et de recréer du lien, la vie de l'amour, de la solidarité sociale et individuelle, c'est la vie poétique telle que moi je la définis. Viens-en à Bobo. Je vais l'évoquer pour une autre raison peut-être. C'est que j'ai parlé de manière très très sérieuse ici, que ce soit fiction ou réflexion. Mais en fait, il y a beaucoup d'humour dans mon texte. Et à certains moments, les deux personnages même rigolent l'un de l'autre et de leurs pensées. Et ils se coupent et ils vont promener. Et à certains moments, je rappelle cette importance du rire. Et cette importance de l'humour. L'humour, c'est une manière de se détacher, c'est une manière poétique de vivre, c'est une manière de ne pas prendre tout au sérieux, et notamment pas les possessions qu'on a et le compte en banque qu'on a. Donc pourquoi Bobo, peut-être ? Parce qu'elle est un symbole de rire. C'est une très vieille représentation du féminin, qu'on retrouve notamment chez les gréco-romains, que vous connaissez très bien, en fait, parce que vous connaissez tous Magritte, et que Magritte l'a reproduite. C'est ce fameux tableau où il représente un sexe de femme qui est aussi un visage. C'est un espèce d'œuf où vous voyez le sexe d'une femme avec deux yeux et le sexe de la femme avec des cheveux. Eh bien, Bobo, c'est un sexe féminin qui est un visage. C'est un rond, à la fois sexe et visage. Et Bobo, c'est un petit démon femelle qui est très, très sage et très malicieux et ludique en même temps, et qui a un rôle capital dans les histoires des gréco-romains, parce que c'est elle qui... vous connaissez la déesse Déméter, donc la déesse qui est la déesse du printemps, et vous savez que le printemps n'est pas présent chez nous toute l'année, qu'il est présent seulement au mois de mars, au moment où tout renaît, justement, après être mort, après être passé par l'hiver. Et pourquoi tout renaît ? Eh bien, parce que Déméter, en hiver, elle a été dans les enfers, parce qu'elle était absolument désolée, parce que c'est sa fille, qui est la femme du dieu des enfers, avait été enlevée par le dieu des enfers, et elle voulait aller rechercher sa fille dans les enfers. C'est pour ça qu'il y a l'hiver. Mais c'est un problème pour nous, parce qu'il faut quand même que le printemps revienne pour qu'on puisse cultiver les terres, pour qu'on puisse se nourrir, etc., pour qu'on puisse avoir les fleurs, pour qu'on puisse avoir les fruits. Voilà. Alors comment on fait pour faire revenir Déméter des enfers ? On envoie Bobo. Parce que Déméter, elle pleure, elle est triste. Et Bobo, en faisant des grimaces très sexuelles avec son sexe qui est un visage,
en parlant, en riant, en faisant des grimaces à la fois physiques et verbales. Elle va faire rire Déméter, et ce rire est une explosion de vie qui va refaire venir Déméter à la vie. Elle va donc revenir sur les terres et elle va permettre au printemps et à la vie de renaître. Encore une fois, ce thème du changement. C'est à croire que Bobo était très efficace cette année en Belgique parce que Déméter n'est vraiment pas parti très longtemps. On peut se demander si on a eu un hiver. Je blague, on s'achemine vers la conclusion. Je voudrais te demander, avant le mot de conclusion, ce livre si riche, si complexe, si hybride, à quel public s'adresse-t-il ? Alors, j'ai déjà eu quelques lecteurs, parce que le livre est dans le commerce depuis pas longtemps. Il y a des lecteurs qui m'ont dit « c'est super compliqué, je comprends rien du tout, tu abordes trop de trucs ». Il y a une histoire, c'est vrai, tes personnages sont sympas, mais c'est trop compliqué. Et puis il y en a d'autres qui m'ont dit « Ah, c'est super, j'ai adoré, et comment tu circules comme ça dans tout, et moi qui suis pas un intello ou quoi, je sais que t'es une intello, toi tu penses trop, et ça a été très facile à lire. » Donc moi je suis un peu déroutée. Moi je crois que ça, en fait, que tout le monde peut lire cette histoire, mais il y a peut-être une condition, c'est de ne pas vouloir tout comprendre, même si je ne fais pas beaucoup de références, pas lire avec son intellect. C'est lire avec... Se laisser aller l'intuition, le vagabondage. Et j'ai l'impression que les images reviendront naturellement et que la compréhension reviendra naturellement, parce que c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Je vais encore reciter ici peut-être Paul Ricoeur qui disait que nous n'avons pas de connaissances, nous n'avons plus la possibilité, comme dans le passé lointain, je vous ai évoqué les déesses du passé et le chamanisme, nous n'avons plus de connaissances possibles, des symboles de manière vivante, spontanée. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai parlé de mon livre à quelques personnes quand je l'écrivais, j'évoquais ces symboles, et tout de suite ils les comprenaient, même des gens qui n'étaient pas des intellos. Moi je crois qu'on peut comprendre tout ça. Donc si je résume, c'est un livre pour tout public, mais à condition de se mettre dans les conditions de réceptivité, par exemple en le lisant sous un arbre, par exemple, le chant des merles. Voilà. Un mot, s'il fallait un mot ou une formule de conclusion. C'est difficile, peut-être encore... J'adore les citations, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas les citations, moi j'adore ça. C'est comme les aphorismes, ça résume le monde, comme ça. Peut-être la citation, j'y pense tout d'un coup, peut-être la citation d'un scientifique, qu'encore une fois on connaît tous, qui est une conjonction, cette citation, encore une fois, une conjonction de contraires, ou en tout cas on les a présentées telles dans notre société occidentale. Une citation d'Albert Einstein, que je n'ai pas évoquée dans mon livre. Il a dit notamment, parce qu'il a dit beaucoup de choses, il a dit notamment « La science sans la religion est boiteuse, la religion sans la science est aveugle. » Alors, à notre époque, je remplacerais le mot « religion » par « spiritualité ». Donc, ça donnerait « La science sans la spiritualité » est boiteuse, la spiritualité sans la science est aveugle. Donc je crois vraiment que ce sont deux manières, avec la poésie, l'art et d'autres, de connaître le monde, science et spiritualité, et qu'elles doivent absolument se nourrir l'une l'autre. Et je ne suis pas la seule à le dire, il y a des scientifiques que vous trouverez, qui ont écrit des bouquins que vous trouverez dans la bibliographie, si vous allez voir sur le site, qui essayent de rapprocher ces deux modes de connaissance. Eh bien, voilà. C'est vraiment le mot de la fin, surtout pour une semaine de la culture hybride. Il me reste au nom de nos auditeurs à remercier Florence Richter et à recommander chaudement la lecture sans modération de la déesse et le pingouin. Un grand merci à vous, un grand merci à Point Culture. Voilà, vous avez un livre où je vous raconte une autre manière de se relier au monde, enfin en tout cas la manière dont j'ai senti, et surtout un grand merci aussi à François Haute, qui est un intervieweur formidable. Je vais le prendre chaque fois maintenant. Je l'avais déjà pris pour ma première préface de mon premier livre, pour ma seconde préface. Je ne sais pas s'il sera d'accord, mais peut-être que ça marchera. Voilà, un grand merci à vous.